Mais vous êtes tellement violents, vous les Africains. Mais vous êtes tellement violents, votre violence est terrible. Mais les photos que vous envoyez aux gens, c'est violent. Mais si vous avez la facilité que peut-être là-bas en Afrique, on tue les gens n'importe comment, on coupe les gens. Mais en Europe, c'est comme ça, on ne voit pas facilement quelqu'un. C'est pas possible. Quand il y a un accident, si on encadre que les gens, même qui sont, ils ne voient pas. Quand il y a un accident grave, on coupe la route, on met les trucs qui couvrent. On couvre que personne ne peut même avoir l'occasion de filmer et balader sa partie. Et même dans l'esprit européen, on ne filme pas. Un accident commence à propager. Vous les Africains, vous êtes trop bêtes. Vous devez être éduqués. Vous envoyez dans les téléphones des gens. Vous pensez, est-ce que c'est comme ça qu'on annonce une nouvelle? Mais ça s'apprend pour annoncer quelque chose de triste. Est-ce que vous pensez à ces enfants? C'est sur Facebook qu'il faut venir annoncer. Mais c'est quoi ces réseaux sociaux à deux balles? C'est quoi ce truc? Je veux qu'on arrache les réseaux sociaux. Si on peut bloquer même ça en Afrique là. Si on peut enlever ça dans les mains des Africains, parce que nous on ne sait pas utiliser. Le blanc n'a pas créé les réseaux sociaux pour faire comme vous faites là. Les WhatsApp là. Qu'on enlève WhatsApp dans les mains de tous les noirs. On remet les téléphones, les tablettes. Vous n'aimez pas le développement. Parce qu'on a mis WhatsApp, il faut que vous envoyez toutes les images du tout et du n'importe quoi. Mais il faut que vous mettez tout un système pour bloquer les mauvaises choses. Vous ne pouvez pas vous permettre de prendre les images aussi choquantes. Et vous envoyez aux gens. Qu'on arrache ça dans vos mains. Parce que vous ne connaissez pas utiliser, je suis désolé. L'Afrique sera toujours derrière. C'est terrible ça. Mais vous savez le cœur? Et puis les réseaux sociaux. Voilà la femme. Wow, l'homme Inga. Tu vas m'excuser. Hein. Voilà l'homme Inga. Tu n'as pas une nouvelle comme ça. La première chose, tu lances le direct. Tu commences à pleurer. Mais il faut arrêter. Quand on apprend une nouvelle comme ça, on le lance. Tu es, nous, on peut lancer. Les autres peuvent lancer les directs. Tu pleures comme ça, t'es mort, mais tu peux pleurer chez toi, wesh. Tu peux t'asseoir chez toi. C'est quoi ce truc? Des réseaux sociaux. Tout ce qu'il faut mettre sur les réseaux. Toi qui es la femme, la copine de ce monsieur, on t'annonce une nouvelle. Donc la première chose que tu trouves, tu n'as pas eu le temps d'appeler ta belle famille. Tu n'as pas eu le temps de lancer directement le direct TikTok parce qu'il faut que tu pleures. Hein? Même si tu es traumatisé. Mais tu t'assois chez toi, les gens viennent, tu lances pas le direct. Comme ça. Vous avez des choqués, tu as le temps d'appuyer sur direct. Tu as le temps de dire que tu as tous tes sens. Hein? Mais apprenez pas à contrôler ce que vous faites. Arrêtez un peu. Ou c'est l'homme Inga? L'homme Aminga. Tu apprends une nouvelle comme ça de ton mentor. La première chose que tu fais, c'est de lancer le direct. Mais c'est terrible ça. Mais c'est incompréhensible. Donc, tu n'es même pas différent des autres internautes là. Le désespoir de quoi? Tu t'assois chez toi, tu cries, tu tombes dans le caniveau, tu fais ce que tu as fait. Le désespoir de quoi? Vous pensez normal? Ça veut dire que si elle était là, elle allait filmer? Elle fait le direct de quoi? Vous pleurez. Oh, vous avez dit que, oh, vous avez dit que tu as le temps de tout dire ça au lieu de chercher. Le temps que tu fais, tu fais le direct, tu prends le transport, tu vas dans la ville où on dit qu'il a fait l'accident. C'était juste une parenthèse. J'ai de la peine pour toi. Lominga, petite sœur, je te soutiens. Beaucoup de courage à toi. La personne qui va souffrir plus, c'est sa mère. Parce qu'une femme, quand tu as besoin d'aller partir, tu vas te congé ta vie. Mais une mère vient de perdre son enfant. Un enfant vient de perdre son père. Mais c'est cette condoléance à la maman de Cabrel Nangy. Ça fait très mal de voir son enfant partir aussi jeune. Les Camerounais sont terribles. Les Camerounais sont d'une méchanceté. C'est même qu'on ne choisit pas son pays. Je n'allais pas choisir moi être là-bas. J'allais moi choisir être américaine. Mais attendez. Une maman en train de pleurer son enfant, les gens vont filmer, mettre sur Facebook pour voir où elle habite, même si elle habite dans le cabinet. Même si c'est dans les toilettes qu'elle vit. Elle a demandé quoi à qui? Elle perd son enfant, elle pleure son enfant. Vous n'avez pas honte? Vous filmez la mère de Cabral, comment elle pleure? Et le commentaire que vous trouvez a dit, c'est dit que, mais, il a acheté la voiture de 42 millions et sa mère vit dans ça. Les hommes que vous voyez là pensent plus aux familles de leurs femmes. C'est pour ça que dans une famille, quand une femme réussit, tout le monde est fier. Parce qu'on sait qu'elle va rentrer aider la famille. Les hommes, c'est seulement la moto du go with des belles familles. Quand un homme est bien, c'est sa belle famille qui suit. Hein? Il ne donne. Quand un homme a quelque chose, il suit que sa belle famille, oh, la famille de sa femme. Surtout s'il a une femme qui est sage, qu'elle attire l'homme pour faire dans sa famille, il oublie. La pauvre maman de tout, vous filmez. Vous dites qu'elle vit dans quel, il a acheté la voiture de 40 millions. Vous ne connaissez pas qu'il y a les ministres qui ne donnent rien à l'homme. Hein? On va vous apprendre ça aujourd'hui. Vous connaissez combien d'artistes chantent depuis des années qu'ils ne donnent même pas un centime à l'homme. Hein? Ils ne mettent même pas leur main à l'aise. Hmm? Donc, il ne faut pas regarder que sa mère, parce que vous cherchez toujours ce que vous avez dit. Oui. Est-ce que c'est sûr qu'il était riche? Vous laissez les histoires des réseaux sociaux là. Il y a beaucoup de millionnaires, beaucoup de milliardaires sur Facebook. Donc quand quelqu'un vient de voiture 40 millions, quelle voiture de 40 millions? Quand vous voyez la voiture, ça mérite 40 millions. C'est juste que on est en comment on dit, sur les réseaux sociaux. Comme c'était la guerre avec ses amis, tout ça là, chacun se fait voir, non? N'est-ce pas les gens qui achètent? Marron fait si. Je peux donner le nom d'une marque qui connaît. Je peux dire que là où je suis, là, j'étais à 500 euros. Alors que je ne vais pas vous mentir, ça m'a coûté combien? Ça m'a coûté 10 dollars. Mais je suis à l'aise dedans. Si elle m'assoit, elle commence à dire que ça a coûté 500 dollars. Tu as vu les tickets? Est-ce que tu as vu la facture? C'est ma parole contre la tienne, non? Je peux te marcher dans le nom, non? Est-ce que savait qu'il était 3 milliardaires? Vous connaissez les problèmes qu'il avait? Hein? Acheter la voiture, on a les gens en bain, hein? Les humoristes sont pleins de personnes en bain qui leur donnent leur voiture de chauffer. Que prends ma voiture si tu conduis ça, tu me payes un peu. Maintenant, viens sur Facebook, dis que j'ai une voiture à 100 millions, ça fait quoi? Hein?
croire. Il y a beaucoup de milliardaires facebookiques. Beaucoup de millionnaires facebookiques. Mais la réalité, c'est autre chose. Facebook, c'est les réseaux sociaux. Et la vie réelle, c'est deux mondes différents. La vie est courte. Il vivait, vous ne connaissez pas la relation qu'il avait avec sa mère. Ne regardez pas que la maison. Peu importe où. Peu importe où sa mère vit. Ce n'est pas ça qui est important. Alors si, c'est la douleur. La mère a mal. Vous n'avez pas le droit de filmer une maman en désespoir. Elle pourrait se dire. Donc, vous êtes capable de filmer la mère, la personne qui a filmé. Je n'ai pas envie. I don't want to coach you. De personne ne veut même pas parler en français l'autre là. Ne y filmez ni Facebook. Un gueule. Je ne sais pas cochant pas toi. La personne qui allait filmer cette maman, vous partez de filmer la maman, une maman qui vient de perdre son enfant. Pour dire qu'elle est en train de pleurer, elle est inconsolable. Et puis quand vous mettez elle est inconsolable, comme si vous avez trop mal. Non. Ça l'heure, c'est que vous allez partir chercher où sa mère vivait pour venir raconter les choses. Vous savez, les paresseux ont toujours à dire, c'est un jeune qui osait. Lui, c'est un jeune qui osait approcher les gens. Lui qui était relax, hein. Qui était relax. Et il avait la grande gueule. Avant, la grande gueule ne veut pas dire qu'il était méchant. Non, c'est quelqu'un qui aimait la vie, qui répondait, qui est parti de nulle part, qui est devenu ce qu'il n'a pas caché. Il a dit, je viens d'une famille pauvre. Il est temps de profiter de la vie. Et il a profité de la vie. Il est parti très tôt. Arrêtez les conneries. Arrêtez quand quelqu'un n'est plus là de dire qu'il a trempé. Il a trempé où, quand? Vous étiez là. Vous étiez là où il est parti signer le pacte. Arrêtez de parler des gens, dis donc. Fermez vos gueules. Les paroles sont toujours à dire. Ouais, les sectes partout. Et nous sommes ici en Europe, on ne voit pas ça pour entrer. Bande d'incapables que vous êtes. Bande de sans cœur. Vous n'avez rien à dire. Vous aurez toujours à dire. Quand Madame Pogba est partie, vous avez dit quoi? Elle avait trempé. Vous parlez toujours que les gens ont trempé. C'est parce que vous êtes des incapables. Vous êtes des incapables. Quand quelqu'un, vous avez le mot, vous les paresseux, les jaloux. Vous avez un mot là. Tous les vanités des vanités. Quand quelqu'un conduit sa belle voiture, oh, la voiture c'est quoi? Il va mourir et laisser ça. Oui, avant de mourir et laisser ça, qu'on a au moins ce conduit. C'est où la route pour aller entrer dans le bon coin, mon coin? C'est un chemin. Montrez-nous alors, comme Fingon dit. C'est où les bensins qui sont, sont toujours en train de souffrir? C'est quelle route de mon coin, mon coin? Hein? Il n'y a aucun mon coin là-dedans. Les gens qui veulent faire leur buzz à la con, en racontant les histoires dormies debout, et les Ngambi man, tout ça là. Allez faire le Ngambi dans vos familles. Vous savez, au Cameroun, il faut éduquer les chauffeurs. J'ai dit ça ici plusieurs fois que les chauffeurs au Cameroun sont les chauffards sans éducation. Arrêtez de faire que dès que vous avez un peu l'argent, dès que tu as payé 2 millions sur ton compte bancaire, tu commences à vouloir acheter la voiture alors que tu n'as pas le permis. Arrêtez d'acheter les faux permis. Il y a des auto-écoles au Cameroun qui sont compétents. Arrêtez d'acheter les permis au quartier. Arrêtez de payer les permis. Quand les gens ont les auto-écoles, les ministères des transports, arrêtez de vendre les permis aux gens qui n'ont pas de permis. Pour avoir un permis de conduire, on va à l'auto-école. On s'inscrit, on apprend le code. Quand on a déjà passé le code de la route, on commence la conduite. On ne porte pas une voiture qu'on ne connaît pas ce que c'est que. Comment on ne connaît même pas les panneaux. Beaucoup de personnes au Cameroun, non. En Afrique. Moi, je parle du Cameroun parce que je connais. Beaucoup portent les voitures, ils ont appris à conduire dans les terrains de foot. Là où on joue le football le dimanche, on appelle ça quoi? Santé. Ils ont appris à l'omnisport. Devant l'omnisport, là, ils prennent la voiture, ils vont tourner là-bas. Même certains taximans, ils n'ont jamais été à l'auto-école. Oui. C'est très dangereux. Vous n'êtes jamais à l'auto-école, mais vous avez la voiture. Tu vois quelqu'un, dès que quelqu'un veut venir en Bégo, on fait le permis, on te donne. Vous faites le permis, vous donnez, qui va conduire où il savait. Beaucoup arrivent avec le permis qu'on a acheté au pays, là, ils ne peuvent pas conduire. Parce qu'ils ne connaissent même pas les panneaux. Un panneau ralentissement qui a les deux dents. Vous connaissez les deux dents du Cameroun. Les deux dents du Cameroun, c'est la montagne. J'ai vu les gens au Cameroun prendre le sens interdit. Au rond-point là, j'ai vu les gens prendre le sens interdit. Un jour, j'arrive au Cameroun. Je suis à l'aéroport international de Yaoundé, à Simalène. C'était le moment où on venait de construire l'autoroute. Et puis Steve Fah me dit, bah, on va faire un tour, je vais te montrer comment le Cameroun est bien. Moi, pour bien, je te montre le Cameroun, il y a l'autoroute. Avant la canne. C'est à l'aéroport. Il me parle, il dit qu'on va donc à l'autoroute. C'était même fermé. Mais le commissaire, le directeur de l'aéroport, qui a son âme, qui était décédé dans un incendie de bois de nuit là. C'est lui qui était là, le directeur là, donc dit qu'on ouvre la route à Steve Fah. On a pris l'autoroute. Mes chefs et sœurs, il y avait des gens qui roulaient à contre-sens. Ils ne connaissent pas ce que c'est que l'été. J'ai dit que c'est dangereux, la route, tu vas tuer tout le monde au Cameroun. L'autoroute de Simalès va finir seulement avec tout le Cameroun. Les gens ont pris le sens interdit. Ils disent que, mais Steve, comment ils roulent de ce côté? Ils disent que non. Les gens cherchaient à traverser à pied. Comme il y a les champs, il y avait un truc comme les champs. J'ai vu les gens qui cherchaient. J'ai dit que ça là, c'est le piège. Alors que ça dit que c'est vous-même qui ne voulez même pas qu'on construise les routes. Parce que si on veut construire la route, comme ici, beaucoup de gens vont mourir. Je vous prends un petit exemple. J'arrive au Cameroun, je n'arrive pas à traverser la route. Mais chers frères et sœurs, vous traversez le Cameroun, la route au Cameroun en cours. Le passage piéton, on ne connaît pas. Les chauffeurs ne s'arrêtent pas là-bas, ils t'insultent. Je suis arrivé au Cameroun pour traverser la route. Hein. Je suis resté comme ça. Je commence à dire que pardon. Alors que je suis là, les chauffeurs ne respectent pas, ils ne connaissent pas le code de la route. Tout traversé, j'ai payé quelqu'un 1000 francs pour qu'il m'aide à traverser parce que j'avais peur. Les voitures ne s'arrêtent pas. Les motos même veulent te cogner. Tu es sur ton. Seigneur. Même dans la ville, même, vous ne laissez pas. C'est sur l'autoroute que vous allez respecter. Le passage blanc, là, clouté. Le passage piéton. Où on traverse la route. Que le feu soit rouge ou quoi là. Quand on est déjà dans un pas, le piéton est priorité au Cameroun. Jamais.
Je suis désolée. À Douala alors, hein. Maman, j'ai dit que le piéton a la priorité. Le feu est rouge, les gens ne s'arrêtent pas. Le feu est là pour quoi? Tu attends que tu dors, le feu c'est en panne, ça dit tout. C'est pour une minute, deux minutes que tu vas aller donner ta fille. Que tu vas aller écraser quelqu'un. Parce que le feu est tout, les gens n'attendent pas au feu. Les gens n'attendent pas au feu. Je ne sabote pas mon pied. Je vous dis l'expérience que j'ai eue pour traverser la route. J'étais là, je vais avancer. Tu vois une voiture, ça va me faire là-bas. Tu te traumatises, j'avance, je recule. Je ne sais pas où aller, j'ai peur. C'est comme ça que maman me dit de ma fille, pour traverser ici, on lutte avec la voiture, hein. Parce que même les piétons même ne savent même pas où aller traverser la route. Figurez-vous. Le piéton ne sait pas où on traverse. Il ne connaît pas que ça l'avait dit que c'est ici qu'on traverse. Le piéton même le fait rouge. C'est là où il ne peut pas traverser. Hein. Il ne s'arrête pas. Mais il y a toute une école à faire. Donc le ministre des Transports là, vraiment, il y a tout un enseignement. Les émissions Bracata que vous mettez dans votre chaîne de télé là que je ne regarde pas. J'ai pris la chaîne de télé d'Afrique là que pour ma mère. Parce que moi, je ne regarde pas ça. Ça cale poster. Les images sont floues. Donc je ne regarde même pas ça. Vous passez votre temps à la télé à mettre les films des. Comment on appelle ça la lèvre? Ce que les femmes aiment regarder là. On dirait que vous manquez les programmes. Hein. Mais il faut enseigner la éduquer. Vous êtes là pour ça. La télé est là pour éduquer le peuple. Éduquer. Vos photos là, les films des mariages, on appelle ça que quoi? C'est une nouvelle. Hein. Le temps que vous mettez nouvelle là, vous ne pouvez pas faire l'étude de code de la route. Le temps que vous prenez les vieux films qu'on a là jetés à la poubelle là, pour mettre dans vos chaînes de télé flou là. Vous ne pouvez pas éduquer, faire des programmes pour éduquer comment traverser la route. Le piéton doit respecter si. Vous ne pouvez pas prendre ça. Non, je demande seulement. Hein. Vous manquez quoi faire hein, avec vos télé là. Donc c'est tout Paul Biya qui doit venir faire l'autre là. Hey, papa Paul Biya, tu souffres. Papa, m'a dit waouh. Madame Kiri, donc c'est toujours le président de la République qui vient venir apprendre. Tout, on met que c'est manqué. Oh, le pays s'est gâté. Nous tous, on a gâté le pays. On a contribué. Arrangeons le pays, nous tous. Hein? Donc il va sortir des tout pour venir dire que quand le feu est. On dit au chauffeur de respecter. Et puis il y a une bande là que je vois même là qui cause même des accidents. On les appelle quoi? Ils ont les trucs roses comme s'ils arrêtent les bicyclettes. On les appelle que quoi? Ou c'est. Ils travaillent à la mairie. C'est un bande de jeunes qu'on verse en route comme les microbes là. Ils arrêtent les motos. Quelqu'un saute sur une moto qui est en train de rouler, soit disant qu'il a fait quoi. Mais c'est pas possible ça. Même dans les mairies là, éduquez vos gens là. Éduquez vos gens, on les appelle que quoi là. Les jeunes là qui arrêtent les motos par-ci par-là là. Mais vous pouvez causer un accident choc avec cette brutalité. Ce pays, non. Le Cameroun a refait de tout. Ça veut dire que c'est un pays quand même. C'est un pays qu'on doit tout refaire. Commençant d'abord par s'éduquer nous-mêmes. Que chaque parent commence, parce que nous n'attendons pas de quelqu'un. Hein. N'attendons pas que c'est le ministre qui va venir éduquer. Chaque personne commence à émettre, à éduquer ses enfants dès aujourd'hui. Chacun commence dans sa maison à éduquer. Oh. À dire que quand tu veux traverser la route, c'est comme ça. Chaque parent commence à éduquer dans la maison. N'attendons ça de personne. Oui, police municipale, eux, alors, la violence, c'est de ça. Le pays, là, nous dépasse. Personne ne respecte rien. C'est-à-dire que chacun fait seulement. C'est-à-dire que c'est un pays qui est abandonné. Hein. Chacun fait comme il veut. Non. C'est un pays qui, hein, chacun fait sa part comme il veut. Chacun sort sa loi. Tu entends quelqu'un te dire que quand le feu est rouge, c'est où il faut traverser la route. Le rouge veut dire le danger. Le vert veut dire que tu peux traverser, mais toujours surveiller. Parce que même un chauffeur, même quand le feu est vert, le chauffeur peut arriver. Vous voulez que vous expliquez quand j'ai porté la voiture qui avait conduit au Cameroun, les insultes de ça. Les injures, on m'a insulté au Cameroun. Moi-même, on m'a insulté comme ça, dit que merde, les Camerounais ont la gueule. J'ai fait combien d'années ici dans ce pays? Plus de 20 ans. J'ai porté la voiture pour conduire il n'y a pas longtemps quand j'étais au Cameroun. Vous savez, quand les dos, pour payer le chauffeur fini, toi-même, tu prends le volant, non? J'ai dit que je vais conduire. J'ai pris la voiture, j'ai mis le GPS. Ce qui est bien, c'est que le GPS passe. J'ai commencé à conduire les injures de ça. Quand je m'arrête au feu. Oh, tu ne sais pas conduire, bordel. Ta Caracas, là, tu as même ramassé où? Pas là-bas avec ta mort. Les injures des Camerounais, non? Les bensikineux, alors, hein? J'ai seulement monté la vitre. Ça veut dire que j'ai seulement, je ne veux même pas les écouter. Parce que je me suis arrêté. Les injures de ça. Est-ce que je mérite? Est-ce que une femme comme moi qui conduit, qui respecte, est-ce que je mérite autant d'injures par les bensikineurs? Ils m'ont lavé et rincé. Comment? Tu ne connais rien. Tu ne sais pas. Eh, tu as ramassé ton père. Alors que c'est lui qui a ramassé le permis. Il n'a jamais eu le permis moto. Il est sûr qu'une personne conduit la voiture. Vous avez vu ça où? Avec ma voiture, le pouce, ça va, il tombe. Quelqu'un à la moto, il fait la gueule avec quelqu'un qui a la voiture. Quelqu'un à la. C'est-à-dire qu'une personne à la moto que je peux pousser, même, je peux le pousser là. Mais il m'insulte. Alors que c'est lui qui est même d'abord, il n'a pas le casque. C'est lui qui met la musique, le baiser. C'est-à-dire qu'il y a les trucs au Cameroun, vraiment au Cameroun là. Hein. On a trop de choses à faire dans ce pays. Pardon, que chaque ministre essaie de faire son travail, non? Le président l'a pu vous amener pour faire le travail. Faites votre travail. Faites votre travail. Ce pays est à refaire. Trop de choses à faire. Un pays où les bars sont. On ne choisit pas le quartier où il y a les bars. On met la musique, il est. Non, on met la musique à toute heure. Tu es couché dans ton lit, tu entends la musique. L'enfant va étudier comment? Un enfant prend le stylo là-bas, il va étudier là-dedans, c'est la moto, Digo. L'enfant étudie, moto, Digo, en dansant. L'enfant, que l'école va entrer dans la tête. Les gens qui réussissent même dans les sous-quartiers, ça veut dire que dans ces quartiers, à bas, là, où il y a les bars partout, partout, et c'est toujours où il y a les pauvres qui y a tout ça. À Bona Prison, là, tout le monde ne peut pas vivre là-bas. Il y a le contrôle, maman, les blancs vivent là-bas, on ne peut pas faire n'importe quoi. Pourquoi on peut ouvrir les bars n'importe quoi là-bas? Bah, on a les quartiers, les Bipanda, Kasmando, les Bipanda, machin, tout ça là, les Bonaberry là. Rue de la joie, alors je ne sais pas comment les enfants de vivre la joie vivent. Le bruit de ça.
le bruit, vous savez, qu'on limite. Je ne sais pas, c'est les maires de la ville qui donnent les autorisations pour ouvrir les bars. Que quand un bar avec une chaise entend seulement la musique, entend la musique pour déstabiliser les gens qui dorment. Tu es couché là, tu te lis, ça dit que, mais attends, tu fuis ta maison pour aller te rester à l'hôtel parce qu'il y a trop de bruit. Tu es dans la maison, tu entends le bruit, tu es couché, tu as envie de te reposer, le bruit de ça. Quand ça finit le best-kick, je ne comprends pas les bars qui sont là. À force de mettre là, ça ne tombe pas en panne, vos baffles là. Quelque chose, 24 sur 24, ça tourne. Un bar qui n'est pas ouvert, mais c'est la musique. Ça ne tombe pas en panne. Le bruit de ça, le bruit de ça. On va faire comment dans ce pays? On va faire comment dans ce pays? On ne va pas limiter même là où on ouvre les bars. C'est chacun qui vient ouvrir. On n'ouvre pas ici en Europe. Hein. On n'ouvre pas n'importe où. On n'ouvre pas n'importe où, on contrôle. Ça veut dire que, il y a les quartiers où il doit avoir le bar. Les bars, les trucs de bruit, bruit. Il y a des heures. Un pays où les gens peuvent faire la fête 24 sur 24, on ne contrôle pas s'il est 22 heures. Un pays où chacun décide, c'est chacun qui décide. Hein. Il ouvre son bar où il veut. Et les bars là de décembre, les bars qui ouvrent en décembre, ça ferme en janvier. Là. Ça, c'est les bars de Benguis. Ça ouvre le bruit de ça. On ne peut pas laisser un pays comme ça, que chacun vient faire n'importe quoi. Il faut la loi. Si on va alors entrer dans les églises, ne parlons plus. Les églises alors, hein, ouais, avec autant d'églises, il y a toujours la sorcellerie. C'est vous qui parlez de sorciers. Plus il y a les églises, plus il y a les sorciers. Ça veut dire que le fait, ça veut dire que le business, ça veut dire que les églises et le commerce, c'est de ça. Il faut les voir, les femmes là. Oh, on m'a attaché, je m'en vais là-bas. Mon pasteur, chaque Camerounais aujourd'hui a son pasteur privé, Adama. Vous partout faites quoi avec les pasteurs? Mon pasteur m'a donné les prières. Mon pasteur, moi je comprends, c'est ton médecin. Hein? Non, chaque Camerounais a un pasteur, hein, surtout les femmes là. Oui, j'ai mon pasteur là qui est très fort. Moi je comprends, c'est un être humain comme toi. Hein? Non, j'ai mon pasteur au Cameroun qui m'envoie les prières là, c'est vraiment bon. Hein. J'ai mon pasteur, ça veut dire que tu les entends. Le pasteur pour eux c'est comme un médecin. En Europe on dit j'ai mon médecin. Parce que chaque patient en Europe doit avoir son médecin traitant. Mais en Afrique c'est le pasteur qui est le médecin traitant. Non, j'ai mon pasteur, j'ai mal. L'enfant elle se chauffe, je m'en vais chez mon pasteur. On dit que, mais c'est pas possible, arrêtez d'être bête comme ça, non? Arrêtez aussi d'être bête. On a un médecin traitant, on n'a pas un pasteur. Un pasteur n'est pas, mais c'est pas possible. Et c'est le même pasteur qui porte ton histoire, il va raconter à l'autre. L'autre vient faire le témoignage. Ça tourne toujours entre vous là, les pasteurs là. Tu as fini de raconter, il raconte. L'autre vient faire le témoignage, il prend ton histoire, mais vous êtes trop bête. Au lieu d'aller travailler, vous passez votre temps dans les églises, on dit que j'ai trop prié, c'est Dieu qui m'a sauvé. J'étais malade, c'est Dieu qui m'a sauvé. Vous savez que la maladie, c'est psychologique. Hein, les pasteurs bonbons qui couchent avec les femmes des gens. Les pasteurs qui font laver les mounas. Une femme est capable de donner son mouna que le pasteur gagne avec pour la délivrance. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça, vous les femmes là? Vous allez voir sur les bordels des pasteurs. Ils ont fui, maintenant ils sont sur Facebook. En train de faire quoi? Évangélisation dans la haine. Ce sont eux qui poussent les gens. Il y a certains là qui poussent les gens qui insultent sur Facebook. Ils sont là-bas à commenter. Comment un pasteur peut soutenir une personne qui a de la haine contre une femme qui ne lui a rien fait sur Facebook? Qui est moi, Flor de Lis? Un monsieur sur Facebook qui se passe pour un pasteur motive une saleté là qui m'insulte depuis des années sur Facebook. C'est le pasteur là, il appelle là-bas en direct. Il passe en direct. Il parle ce qu'il a envie de parler. C'est un pasteur ça, c'est un pasteur bonbon, c'est un pasteur Facebook. C'est un pasteur, il n'est pas pasteur. Un pasteur ne peut pas encourager la haine. Jamais. Mais ce pasteur des poubelles là, dites-lui de prier pour moi que ma vie tombe. Ce pasteur de, comment on appelle l'autre là? Du morguier, le pasteur du morguier. Ce pasteur qui est dans tous les directs du morguier, il n'a rien à dire à personne, qui prie pour sa famille. C'est un pasteur Congo ça. Un pasteur haineux. Je m'adresse à toi, ce pasteur qui a fait ton direct. Tu as parlé hier pour te faire voir. Tu es dans le direct du morguier tous les jours. Tu n'as jamais vu que ce monsieur m'insulte gratuitement. Tu es passé sur le couple des jumelles l'autre jour. On t'a lavé un peu, tu as commencé à prononcer mon nom. Depuis que le morguier m'insulte sur Facebook, je ne calcule pas. Parce que pour moi, il n'y a rien. Tu as dit au morguier d'arrêter. Le morguier t'a dit que je lui dois quoi? Mais tu encourages et tu veux venir faire l'appel. Tu veux faire le moral aux gens qui n'allaient pas insulter. Tu m'insultes, mes femmes t'insultent propre. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es pasteur, toi. Tu es quel pasteur? Ton église, c'est où? Derrière Facebook. Les pasteurs qui n'y a dedans avec les faux profils là. On n'a pas vu ce qui s'est passé dans votre église, un bracata du manioc là. Un pasteur Congo ça. Les gens comme vous sont les pasteurs où? Un pasteur n'encourage pas ses soeurs dans la guerre, dans la haine. Tu n'es pas un pasteur. Tu n'es pas un pasteur. Tu es quelqu'un qui s'ennuie sur Facebook comme tout le monde. Tu fais ton petit cinéma pour attraper. Tu es un bel homme, tu fais ton petit cinéma pour attraper les gars que tu vas gnasser. Avant, tu faisais quoi dans la vie? C'était quoi ton travail? Avant de prendre la Bible, tout le monde peut prendre la Bible et lire. Vous pensez que c'est parce qu'on lit la Bible aux gens que ça veut dire qu'on est croyant? Ce sont les premiers sorciers qui portent la Bible, je suis désolé. C'est ceux qui mangent les gens dans la nuit, qui prient en journée. Oui. Toi, tu es pasteur. Tu veux éduquer les qui? Va éduquer le morguier que tu encourages. Hein, pasteur des étoiles Facebook. Tu n'as pas honte. Hein? Tu dis que la vie n'est rien. Depuis que tu vas faire le morguier, m'insulte là. Tu as dit au morguier officiellement qu'arrête. Tu n'as jamais dit, tu encourages. Parce que tu es un pasteur haineux. Va créer l'église. Sors dans Facebook. N'importe quoi. Regardez-moi ces gens. Va créer ton. Vous êtes partout. Les pasteurs qui activent la haine. Toi, en tant que pasteur, toi, tu dis que tu es un vrai pasteur. Tu as des organisations là, tu as fait appel à toutes les soeurs blogueuses que venez sur ma page. Hein? Parce que ça vous arrange. La guerre avec les autres soeurs blogueuses vous arrange. J'ai des larmes, mais moi. Ah non, des rien. Moi, Digo, les avions, Digo. Je ne suis plus dedans. Même si quelqu'un m'insulte, quoi, oh. Je ne veux pas savoir. Si ça me prend de répondre, je réponds avec classe et élégance. Je n'ai pas besoin. Je ne fais plus le genre de clash de vous. Non.
je viens, je te raisonne. Moi, ma réponse maintenant, c'est raisonnement of the mafo. Ma réponse, c'est le raisonnement comme ça, c'est tout. Un pasteur soi-disant, tu veux parler de quoi? Tu lis la Bible plus que les qui? Les voyageurs dans les avions de nuit comme ça, ficher la peau aux gens. Donc, mes chers frères et sœurs, je tente de vous dire que quand ne vous manque pas, hein, Dieu existe. Oui, Dieu existe. C'est vrai. Mais, la croyance, d'abord, la croyance ou la prière, c'est ce que tu fais par rapport aux gens qui sont autour de toi. Ne pas comploter pour faire du mal à quelqu'un. Après, tu me dis que tu pries. Mais vous faites ça dans vous trompez vous-même. Ce n'est pas aller à l'église 4 fois par jour qui veut dire qu'on croit en Dieu. Ce sont les sorcières là qui font ça. Elles font ça pour aller se faire pardonner. Elles mangent l'enfant du voisin à midi. À 13h, à l'église. Oui, tu viens parler? Elle est là? Non, pas encore. Non. Donc, les gens qui parlent trop qu'ils vont à l'église 5 fois. Mon pasteur, un petit truc. Une femme, un homme parle à sa femme. Je vais aller demander à mon pasteur, franchement. Mais c'est déplorable, c'est vraiment bête. Hein. Le président des États-Unis avait dit que hein, quand les Africains arrêtent, les Noirs africains là, qu'ils aillent travailler. Ils arrêtent d'aller s'asseoir devant l'église toute une journée que tu pries que Dieu change ta vie. Va travailler. Et tu pries que le bon Dieu te donne la force. Hein? Arrêtez de vous asseoir dans les églises. Dès qu'un homme a dit à sa femme que je suis en colère, elle va dire tout au pasteur. Après, demain, tu attends que c'est elle qui lave le sol du pasteur. Elle devient la boniche. Tu laisses ton mari qui est à la maison qui t'a épousé, qui t'a habité. Tu deviens la boy d'un pasteur. Tu deviens la boniche d'un homme qui est moins que ton mari. C'est même parce qu'il a pris la Bible de convaincre. Tu entraînes toute la famille, les enfants. C'est comme ça que vous divisez. Tu entends le pasteur, un pasteur qui conseille à une femme de ne plus dormir avec son mari, que le mari est sorcier. Demain, tu entends que j'ai déjà envie de te faire, ou c'est quoi, délivrance. Le mari qui monte sur elle. Quand il finit, il veut délivrer aussi ta fille. C'est comme ça que toute la famille commence à passer à la casserole. La délivrance de ça. N'importe quoi. Pourquoi vous priez plus que le blanc? En Europe, les gens vont travailler. Pourquoi, mais Dieu, pourquoi Dieu bénit toujours l'Europe? Pourquoi l'Afrique avec tous ses pasteurs, tous ses, vous appelez ça pour les trophées, ou ses prophètes? Pourquoi l'Afrique avec tous ces prophètes-là? Parce que les prophètes sont remplis, même les blancs ont compris que c'est là-bas qu'il fallait chercher les dos. Donc quand un blanc commence à dire qu'ils invitent, ils se placent en Afrique, les prophètes là, ils invitent les blancs là, ici là, qui ne sont rien. Ils parlent, moi tu entends que le prophète, comment on voit un blanc, vous croyez, il y a les blancs. Mais attendez un peu. Pendant que le prophète est en train de prophétiser, tu ne vois pas que sa vie donne. Pourquoi tu n'as pas rentré quand on arrive? Vous avez vu les maisons des prophètes là? C'est les fidèles qui construisent. Quand il dit que je suis prophète, tant de shaba. Je peux créer mon église, j'aurai les femmes, j'aurai les adeptes. Shaba. Là voilà qui tombe déjà, ils organisent les trucs, les gens tombent pour commencer à raconter comment. Oh, le passé, il a soigné une famille, il a soigné quelle famille? Tu es sûr? Il est Dieu. Il est bien vrai qu'il y a des gens qui souhaitent. Mais allez à l'hôpital quand vous êtes malade, de détruire vos familles. Tu vois que quelqu'un ne te parle plus. Hein? Tu as l'habitude de te parler, mais avec ton. Tu as l'habitude de parler avec les gens dans ta famille. Tu vois, une maman reste, elle ne parle plus à son enfant. Hein? Son enfant l'envoie, l'appelle, elle ne découche pas. Donc elle marche que selon la volonté du pasteur. De leur pasteur, là, prophète, ils appellent prophète. Oh, j'ai ma fille en Europe, je ne sais pas ce qu'elle fait pour avoir. Non, ne décroche plus son téléphone parce qu'elle veut déjà te prendre. Ne décroche plus. Si elle t'appelle, tu me passes son numéro. Voilà le pasteur qui est en train de contact avec ta fille. Toi, tu es là. Ton enfant te parle. Tu préfères aller passer par le pasteur que. Le pasteur dit que donne-moi son numéro. Je vais prier sur elle. Entre temps, il vit bien, tu souffres. La malédiction du Cameroun, c'est pour les églises qui aiment pas. Si ça vous fait trop mal, allez prier pour que ma vie tombe et vous dites ce qu'elle pense. Oui. Réunissez vos pouvoirs des pasteurs là, vous changez à l'autre Cameroun avec qu'on voit. Les bandits comme ça, dis donc. Les bandits, les gens qui passent à détruire des familles. Il faut les voir, ils seront les premiers à dire que oui, il a trempé, c'est monté, c'est descendu. Vous-même, vous oubliez que le travail de pasteur coupé, c'est votre travail que vous êtes en train de faire, comme je suis assis sur Facebook, je suis au bureau. Tu vois un ancien prisonnier, les gens qui sortent de prison, si tu vois son histoire, c'est quelqu'un qui est parti en prison, il était là-bas dans la dépression, il a commencé à prendre la Bible, puis c'est en prison, les seules lectures, c'est la Bible, et puis je ne sais pas quoi, c'est la Bible toujours. Hein? Il commence à lire la Bible parce qu'il n'a rien fait, il lit la Bible, les passages bibliques, il sort, il commence à raconter comment il est maintenant changé toute sa vie. Quand il prend sa vie, oh, j'étais en prison, maintenant Dieu m'a parlé là-bas, alors qu'il a lu, il a compris que pour le fait, il va utiliser. Son histoire qu'il était en prison, Dieu l'a parlé. Voilà. Ouais, parce qu'il a sorti de prison, les pasteurs. Quand il s'assoit, oui, j'ai fait 5 ans de prison. Dieu m'a parlé. Dieu t'a seulement parlé quand tu voulais les sortir. Il a bien organisé avec les Nadja en prison. Bien organisé avec les Nadja, les Ivoiriens. Oh. Il a bien organisé son fait de l'église. Il compose ça. Il n'a rien fait. 5 ans, tu n'as pas rien à lire. Tu dis que la vie, tu vas connaître les passages bibliques. Il y a les églises en Europe comme ça. Mais c'est encadré. Les Congolais, on les voit, non? Un pasteur congolais, il est aux Alakafouente. Il fait d'abord ce que les Congolais s'habillent beaucoup là. La sapologie. Quand un pasteur arrive, maman, ils font ça dans les garages. Vous voyez les salles qu'on loue pour faire les fêtes là, non? Le dimanche, les Congolais louent pour faire l'église. Avec toutes les églises catholiques qui sont en France. Toutes les églises qui sont en France. Eux, ils louent les salles. La musique de ça. Ndombolé, le pasteur. Église de Ndombolé, la musique de ça. Il faut voir les mamans qui sont. En France. Le blanc ne sait pas que c'est l'église. Ils disent que c'est la. Si le blanc connaît que c'est l'église. Parce que le blanc aime quand c'est écrit, il aime la preuve. Dans tout ça, ce n'est pas déclaré. Il faut voir les baffes. Et où les DJ? Le dimanche, comme vous voyez les salles de fête en Europe là, le dimanche c'est l'église. Et où pour faire l'église?
Quand tu arrives là, on te dit que c'est là où on passe vraiment danser là. Tu ne crois pas. C'est derrière l'église. Si c'est un vrai pasteur, n'est-ce pas, la respect, c'est le mal. Un vrai pasteur, je crois, dans la salle où on a l'habitude de faire alors les soirées, qu'on fait le mal, il vient faire l'église avant papa. Donc il venait d'abord. Hein. Il faut les voir. Les mamans là. Les Congolais allons finir avec. Tu les vois. Tu vois le Congolais. Là, ça y est. Oh. Quand le truc arrive, quand le pasteur arrive, on s'en a fait un table avant sa chaussure comme ça. Il fait ça. Tu vois le fidèle qui se couvre pour essuyer. Pasteur, oh papa, Osana papa, Osana papa, Osana papa, oh papa, oh papa, tu l'entends, les églises là, mof, c'est le fait, c'est le travail propre. Le blanc ne connaît pas que c'est l'église. Hein. Quand le bruit là, puisque c'est la journée, non, l'enfant, ça doit faire le bruit, ou c'est 7h. L'église ce dimanche, c'est Osana Kafuente, la musique on met là-bas, Dombolé, 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 Ebalade, bénédiction, bénédiction. J'ai fait les églises. Hein. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Ezana, bénédiction, bénédiction. Après, il commence maintenant dans les enveloppes. Il commence à dire que vous savez, quand tu donnes plus, Dieu te bénit aussi par rapport à ce que tu as donné. Quand tu donnes beaucoup, le Seigneur te bénit par rapport à ce que tu as. Si tu as donné 100 euros, le Seigneur va te bénir pour 100 euros. Si tu donnes 200 euros, tu as plus de bénédiction que celui qui a donné 10 euros. Il faut les voir s'aligner. Eh papa, d'autres veulent même voir leur maison. Pourquoi sont les pasteurs qui sont riches? Ils prennent où? Tu pries, tu mets des genoux à terre. Tu es un être humain comme toi quand tu es tannard, que tu vends tout, tu donnes. Je suis passé au tribunal en France. Je suis passé au tribunal. Il n'y a pas longtemps. Je ne prononce plus le nom des gens sur Facebook. Donc, quel est ce nom? Je suis passé au tribunal en France. Un pasteur congolais a dépouillé un footballeur professionnel qui joue en Angleterre. Un jeune. Je ne vais pas donner l'équipe. Il lui a pris 480 000 euros. 480 000 euros à un jeune footballeur professionnel camerounais. Il a connu sur Instagram. Les pasteurs là sont partout. Parce que j'ai fait un direct pour dénoncer. Il m'a porté plainte. Le monsieur le retrouve au tribunal. Il a pris plein d'avocats parce qu'il a l'argent. Il a dépouillé, il s'est fait acheter la maison. Un enfant que sa mère a ramené. Il est né en France. Il a grandi ici. Ils sont nés en France. Il allait à l'école de foot. Il joue dans un grand club anglaise. Sa mère m'a contacté dans les pleurs. Le pasteur a pris cet enfant jusqu'à aller le baptiser. Parce que comme il était mineur, il jouait à l'équipe dans un club anglais. Mais il était sous tutelle. Donc il était mineur au moment où le pasteur entre en contact avec lui sur Instagram. Parce que pendant le Covid... Parce que sur Instagram, les pages là, c'est pas le faux profil, ce sont les vrais profils, ce sont les vrais footballeurs, ce sont les vrais sites fait que c'est lui. Pendant le Covid, comme les gens s'ennuyaient, c'est un enfant qui avait l'habitude d'aller aux entraînements, il a connu que ça. Pendant le Covid, il va liker un truc sur Instagram. C'est comme ça que le pasteur le compte. Moi, je ne veux pas que vous écrivez. Je ne veux pas que vous écrivez le club de cet enfant. Je ne veux pas. Je suis en train, on a tout tapé. Je vous donne un peu comment les gens en a. Je ne veux pas moi le problème. Je vous ai pas dit, vous connaissez de quel club il est. Je ne veux pas. Parce que vous aimez trop le Congo ça. Toi, tu viens écrire par quoi? Même si tu connais l'histoire, pourquoi tu écris? Je vais vous parler de la manipulation des gens, des pasteurs. Parce que ces pasteurs ne sont pas différents des marabouts. Il m'a porté plainte. Il a arnaqué. L'enfant allait donc, il devait avoir sa majorité, il était mineur. Pendant le Covid, voilà, les gens sont à la maison, sans tout le monde sur les réseaux sociaux. Il a liké une page. Comme ça, comme tu peux liker maintenant. Le pasteur l'a contacté, commencé à lui parler, l'écrire et tout. Là, manger le cerveau. Ils ont commencé à discuter ensemble. Il a pris le temps. Lui parler, ta famille, entrer dans sa famille, tu es où, je suis en Angleterre, ma famille vit en France, j'ai d'abord joué dans tel club, maintenant je suis dans tel club, raconter. Maintenant, quand tu es footballeur, tes amis sont les footballeurs, non? Ce sont les sportifs comme toi. Il a aussi amené d'autres gens, comme lui. Le pasteur a pris rien que à cet enfant, 480 000. Le pasteur a pris à cet enfant 480 000 euros. L'enfant commençait à vider son compte, envoyé au pasteur. Comment on a su? Il ne parlait pas. Il commençait à s'enfermer tout le temps dans la chambre. Il commençait à s'isoler, à s'isoler même de ses amis. Au fait, le pasteur l'a baptisé dans son église. Oui. Il a mangé, tu vois, le pasteur là, un jeune. Faire que l'enfant coupe les ponts avec sa famille, l'enfant commence à détester sa mère. Il a dit à cet enfant que ta mère te veut du mal. L'enfant, on lui dit que, mais, vous connaissez l'école, quand un enfant fait le foot en Europe, c'est l'accompagner tout le temps aux entraînements. Une maman qui prend son temps à accompagner son enfant aux entraînements jusqu'à ce qu'on le prenne dans un grand club. Comment est-ce qu'un pasteur peut dire que cette femme n'a jamais aimé son fils? Le pasteur a mangé le cerveau que l'enfant quitte l'Angleterre vient en cachette en France pour aller voir le pasteur dans la prière, un Congolais. Même le juge était dépassé. Il y avait des échanges. Parce qu'on a pris les échanges WhatsApp du pasteur. C'est lui qui dit que décroche à ta mère, elle commence déjà à tout m'appeler. C'est-à-dire que le pasteur qui dirige maintenant l'enfant de Touima. Oui, ça s'est passé en France. Il m'a porté plainte que j'ai parlé son nom. J'ai été convoqué, on m'a condamné à payer 2000 euros. Pas à lui, hein. À l'État. Pour tous les procès, pour tout ça, on m'a condamné. Parce que, comme j'avais fait les directs sur lui, et que les gens ont appelé, tout ça là, en France, tu n'as pas le droit. S'il avait donné un surnom, s'il n'avait pas mis ses photos, tout ça là. Moi, il dit que non, moi, je ne le connais pas. C'est la famille qui m'a contacté. La famille était là. Ils ont dit que oui, parce que c'est une Africaine. Elle a une page qui permet d'éduquer, de comprendre. Elle a crié. Elle était sur le désespoir. Parce que la police, elle m'aurait cassé la maison de ce pasteur. Il a fui avec l'enfant de Tchoui. Il a changé de maison.
quand j'ai vu ce pasteur, je ne le connaissais pas. Le jour que j'arrive au tribunal, le premier jour, parce qu'on a renvoyé le procès plusieurs fois. Quand j'arrive au tribunal, le seul noir qui voit là-bas, c'est lui. Il n'est pas mélangé. Je ne le connais pas. Hein. Bonjour, excusez-moi. Ici, c'est la salle 15. Je ne sais pas. Je cherche la salle 15. C'est dans la salle du tribunal que, quand on appelle les noms maintenant, je gagne du cake. C'est le type si. C'est avec le giflet même là-bas dehors. Et depuis, il a tourné comme ça parce que il a même dit à l'enfant n'est pas venu au procès. Parce que la France voulait que l'enfant vienne témoigner. Et le pasteur voulait que l'enfant la témoigne contre sa mère. Il a voulu que l'enfant vienne témoigner au tribunal contre sa mère pour le blanchir. Et le pasteur a dit qu'il a les patrons. Hein. Il travaille pour les gens aussi. Moi, je savais pas qu'à l'église là. C'est comme ça que ça est. Il dit que c'est. Et dans tout ça, hein, il n'aimait pas les papiers. Il avait le titre de séjour. Parce qu'en haut tribunal, on donne les identités et les pièces d'identité des gens. Quand tu es au tribunal, c'est où il découvre que. Ah, dans tout ça. Il a même que c'est un Congolais qui a son passeport congolais. Il a dit qu'il a son patron qui est où. Il a donné le nom d'un pays. Donc au fait, il est sur Instagram comme ça, mais il a aussi les patrons. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas qu'à l'église, dans les églises là, on travaille encore. Pour, donc les révérends, ceux-là que vous appelez ou c'est les prophètes, je ne savais pas qu'ils ont encore d'autres patrons. Je ne savais pas qu'ils ont même une école de formation de ça. Est-ce qu'un prophète, on le forme? N'est-ce pas un prophète, c'est Dieu qui l'a touché, il est devenu prophète. Mais les prophètes de Facebook, là, des temps modernes, là, c'est les prophètes qui sont dans les écoles, ils apprennent comment parler aux gens, ils apprennent à être pasteur. C'est le jour-là que j'ai su. Parce qu'il a pensé qu'il est pasteur. La France lui a demandé que son église est où? On lui a cité les églises reconnues en France. Ton église, tu dis que tu es pasteur dans quelle église? Tu es quel prophète? Parce qu'on voulait récompenser les blancs, non? Quand le juge prend, le juge dit que c'est quoi le nom de votre église qu'il a non déclaré? On lui demande que c'est quoi son nom d'église. Même le juge a dit qu'il ne connaît pas cette église en France. Il lui a cité les églises reconnues. En fait, non, je ne connais pas. Vous êtes pasteur. C'est quoi ce nom d'église là? On ne connaît pas ça en France. Il dit que, on dit que tu es prophète dans quoi? Tu es prophète où? Je ne sais pas. Dites-nous. Il était dépassé de décliner son identité. Voyez? Faites attention. Hein. Le mal, c'est partout. Il a mangé. Et comment on a su même que l'enfant n'avait plus rien? Au moment de payer les impôts en Angleterre, il doit 80 000 au gouvernement. Donc, il n'a pas payé son impôt de l'année, non? Tu vois, par an, on paye l'impôt par an. Donc, comment sa famille a su le, comment on appelle là, l'agent, son agent. Parce que l'agent travaille pour le joueur. Mais l'agent ne vérifie pas le compte bancaire du joueur, puisque tu t'es avec le club. L'agent est là pour prendre ce qui il te met, il n'a pas accès, il ne gère pas, je sais pas. C'est l'agent qui découvre un blanc. Qui découvre que mais il doit aux impôts, parce que les courriers arrivent, non. C'est par curiosité comme ça que l'agent a su que, mais il n'a pas payé les impôts cette année, 80 000 euros. Il n'a pas payé. C'est où l'agent a contacté sa mère, dit, il doit de l'argent, il n'a pas payé l'impôt. Sa mère demande, mais comment tu n'as pas payé les impôts? C'est où il dit qu'il n'a plus rien, on découvre que son compte bancaire est vide, le pasteur a tout pris. Il a tout pris, on va lui faire quoi? Il a donné volonté, mais il a fait un don. Pourquoi il a fait mal là? Pourquoi ils vont faire mal en prison 2 ans? Est-ce qu'on crie en France c'est 2 ans? On ne lui a rien fait, le pasteur n'a même pas dit que dans il a dit que l'enfant là lui a donné, a fait un don. Même le juge était dépassé, que vous faites un don tout cet argent, parce que même le juge son salaire c'est combien? Il n'arrive pas à comprendre comment. Non, il a fait un don. Il faut faire un don pour aider. Il dit que le pasteur a carrément dit qu'il a acheté Range Rover. Un enfant, l'enfant le trouve. Achète Range Rover. Alors que sa propre mère travaille, se casse le dos. Sa mère travaille à l'hôpital. Elle pouvait dire que si la mère d'un footballeur reste à la maison. Non, en France, si elle ne faisait pas ça, la pauvre. Prions pour nous-mêmes. Prions pour nos enfants. Prions pour ceux qui sont autour de nous. Ça, c'était la parenthèse pour dire que les gens qui s'asseyent et commencent à raconter que. Et voient que oui, le pasteur s'est monté, s'est descendu. Accuser les gens dans la sorcellerie là. Ce sont les paresseux. Ces gens-là accusent les gens parce qu'on leur a aussi dit. Je vais vous parler de moi. Je prends mon exemple. N'est-ce pas, nous sommes en Europe. On en bête, n'est-ce pas, chacun sait où il entre, où il sort. Est-ce qu'il y a sorcellerie ici? C'est-à-dire, en 2009, je lance mon chantier à Douala. En 2012, en 2011, je fais l'inauguration de mon immeuble. Avant ça, je fais construire la maison à ma mère à Bounabéry en 2005. Alors, quand je suis parti en Europe, j'ai envoyé mon argent au pays qu'on met sur mon compte SGBC. Je mettais l'argent là-bas. Ma mère n'était pas à l'école. Mais j'ai laissé la procuration de mon compte bancaire à ma mère et à mon grand frère. Parce que je faisais mettre l'argent dans le compte pas des amis, pas. C'est pas. J'envoie même à ma soeur chez qui je suis là aux États-Unis. C'est ma tante. Je lui envoie aussi l'argent souvent que mets sur mon compte. J'envoie aussi à Tata Ma. Donc, tout mon argent que j'ai eu, je mettais sur mon compte bancaire au pays. Je ne pouvais pas aller acheter même un sac de 200 euros, jamais. C'était seulement là que, quand j'ai un peu, j'envoie seulement que je mettais dans mon compte. Le jour que j'ai mes papiers, j'arrive au Cameroun. Avant l'histoire de maison, ça dit que, avant de construire la maison à ma mère, quand j'ai eu mes papiers, que je suis allé au Cameroun, je suis allé à la banque, je n'avais rien vu. Tu vois, quand tu peux au pays, tu te dis que je m'en vais, je vais sur le terrain, je vais faire ci, ça, et tu fais tes projets parce que tous tes dos, tu envoyais toujours au pays. J'arrive au Cameroun, je pars à la banque avec ma mère, je prends, j'écris le montant que je veux.
Je donne. Pour faire un retrait. La femme là tape encore, elle me regarde encore comme ça. Elle dit que tu as dit combien? Elle dit que mais j'ai écrit. Elle m'appelle derrière. Non, elle part d'abord appeler son chef. Voilà, elle part d'abord appeler son chef. Elle part d'abord là-bas derrière les comptoirs là. Elle va d'abord là-bas, elle dure. Elle revient. Après, elle me dit qu'est-ce qu'elle peut venir. Que je traverse, mais on va au comptoir. Mais ils m'ont amené dans un bureau derrière. Pour me dire qu'elle n'a rien sur le compte. Qu'il n'y a pas l'argent. Que je n'ai rien. J'ai dit que mon argent est parti où? Les pleurs de ça. Les évanouissements de ça. Les pleurs de ça. Les évanouissements. Je n'avais rien. Rien. Où je me suis levé, où je ne sais même plus. Parce que mon grand frère qui avait la procuration du compte a menti à sa mère que moi, j'ai dit qu'on achète pick-up. Le pick-up pour aller faire le tour, pour faire la rumbanga, le machin, tout ça. Je n'ai jamais dit ça. Il a vidé mon compte. Les Nigériens, ils font le tri-tout, c'est quoi. Les femmes d'argent là. C'est après qu'il m'explique que oui, il avait trouvé un truc, on avait dit qu'il devait aller au Canada, où c'est fait comment. Ils ont escroqué tout l'argent. Voilà ce que j'ai eu dans ma vie. Pour dire qu'un. Il y a des personnes que Dieu leur a donné le cœur pour supporter certaines choses. Quand je vois les petites personnes là sur Facebook qui veulent trop faire comme s'ils veulent me déstabiliser, moi ne me déstabilise pas. Elle a traversé les étapes, juste ça. Je suis forte psychologiquement. Ce que vous parlez là, c'est avant les choses de Facebook. Facebook n'existait pas encore. J'ai eu ça. J'ai eu ça. Où est mon agent? Oh, n'est-ce pas, je t'avais dit que. J'ai dit moi si. Voilà, la matinée, est-ce qu'elle connaissait? Elle dit que quand je l'ai amené à la banque, il a seulement dit que signe ici. Elle a signé, elle connaît que quoi? Elle connaît qu'elle signe quoi? Voilà comment l'argent est fini. Oh, la guerre, mon argent, vous avez fait comment? Quelqu'un m'a dit, tu vas lui faire quoi? Il faut voir les mamans. Ouais, tu vas aller mourir pour l'argent. C'est-à-dire quand tu penses à ta souffrance ici-là. Eh, Seigneur. C'est-à-dire que quand tu penses comment tu assises même à côté d'un sale blanc qui te parle avec la mousse sur la bouche. Parce qu'il faut que tu convainques ses mains pour prendre les dos. Et demain, tu découvres qu'on t'a fait ça. Mais la rage de ça, mais les familles là-bas, ils connaissent ça. Il faut voir la mère comment. Non, tu vas aller mourir pour l'argent. L'argent, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu vois comment tu dis que, yeah, les gens, c'est où? Je vais faire comment? Si j'étais une autre fille. C'est qu'elle n'aime même pas acheter des rien pour confier à ma mère. C'est qu'elle n'aime même pas faire. C'est que je suis rentré ça en bête. Vous voyez, souvent, il y a les gens ici qui disent qu'ils ne mettront jamais les pieds en Afrique. C'est la déception qu'ils ont eue. Oui. Après ça, j'ai laissé tomber. Oh, tu vas aller mourir pour les dos. Oh, c'est monté, c'est descendu. Je suis encore rentré ici là en bête. Merde. Je suis encore resté là. Parce que dans tout ça, quand tu arrives, même, ils te mangent même les dos. Tu vois même les conditions dans lesquelles ils vivent. Tu as encore pitié. Tu te dis encore que ouais. Ça dit que tu as mal au cœur, mais tu rentres, ça dit que mon objectif, c'est manque, ouais. Entre temps, la matière était là-bas à machin, j'ai payé la location. Ça lui a dit que ouais, je vais la laisser aller en location. Je vais faire comment, eh? Quand j'ai trouvé l'occasion, en 2000, c'était en 2004, comme ça, qu'il a acheté le terrain à Bonaventure. J'ai pris un an pour faire le petit truc. La même personne là qui est mon frère, la même personne qui est mon grand frère, il m'a raconté quoi? Oh, j'ai changé ma petite soeur, vraiment, pardonne-moi, c'est parce que les Nigériens qui m'ont escroqué. Vraiment, je vais suivre le chantier de Bonaventure. Ne te dérange pas, tu peux me faire confiance. J'ai donné ma vie à Dieu. Vraiment, tu es ma soeur, tu es ma petite soeur, vraiment. C'est toi qui es notre sauveur, tu nous as sauvés. Oh, c'est monté, c'est descendu. Ok, je dis alors que d'accord. Comment on a trouvé le terrain? Il faut construire. N'est-ce pas, fais confiance. Je sais que c'est une très belle maison, puisque quand j'ai conscience, vraiment, c'est pas ça que je vais trouver. Je découvre seulement que c'est le trou. Que j'ai, c'est marre. Il commence le chantier. Je ne veux qu'envoyer l'argent, envoyer les dos. C'est comment? Je suis en direct, oui. Donc, je ne veux qu'envoyer les dos. J'envoie l'argent. Attends, maintenant, je dis que ouais, la maison a fini. Il me dit que oh, oui, le menuisier a pris l'argent des portes, il est mort. Je dis que mais, un menuisier prend les gens des portes, il meurt que comment, non? Donc, il a ça. Ça veut dire que, je dis à mon grand frère que mais attends. Non, le menuisier a pris l'argent, il est mort. Je dis qu'il a pris l'argent, il est mort comment? Donc, en mourant, il a pris tout l'argent, il est mort. Les problèmes encore ont commencé. Il dit que non, il a pris l'argent, il est mort. Tu veux le faire comment? Il est décédé. Il dit que, ouais. Dans les familles, il y a les choses, hein. Dans les familles. Quand ça arrive au Cameroun, j'avais vu la maison là. J'ai dit que mince. Donc tout l'argent que j'ai eu là, que j'ai envoyé pour l'argent, l'argent c'est mérite 20 millions, maman. Quand la maison, c'est ça mérite 20 bâtons. Donc 20 millions qu'elle était. Quand tu demandes, non, j'ai prenais, je donnais, c'est lui qui gérait. Il faisait le propriétaire. Il portait pour sa cravate. Il faisait le patron qui gérait le chantier de sa soeur. Ouais, les familles. Je ne vais pas parler qu'on. Je préfère parler de mon histoire moi-même. Et j'assume ce que je dis. Je suis à la Primo. Primo, ça a acheté les trucs, la cabine de douche. C'est moi qui suis allé arranger. Même depuis la CDA, bon, c'est juste ce qu'ils ont. Comme les gens le négligent tout. Je suis à la Primo, j'ai acheté la cabine de douche. J'essaie d'arranger que ça soit bien. Comme vous voyez. Lui et moi, la guerre encore. Après, il me dit encore. Après, voilà. Après, il me dit que oui. Tu dis, ma belle blanche, il t'a pas doté. Comme s'il était mon père. Hein. D'abord, même. Tu... vous voyez, il y a un grand frère qui a le social. Oui. Tu dis, même d'abord, France, ma belle blanche, il t'a pas doté. Il doit t'épouser. C'est quoi? Tu dis, un blanc, il t'a épousé. Il faut qu'il te dote. Il doit te doter, hein? Tu vis là-bas, tu ne sais pas que la famille n'est pas comme ça. Il faut qu'on te dote, ce n'est pas normal. Le blanc ne connaît pas qu'on dote les gens. C'est lui qui se mêle de ce qui me concerne parfois. Quoi. Mais par pitié pour mon père, parce que mon père, je ne voulais pas qu'il meure sans qu'on m'épouse, sans que quelqu'un vienne. Parce qu'un papa, hein, il va mousser, un père mousse quand sa fille est mariée, mon frère.
Viens donc combien, viens donc dire au blanc, il faut que tu me dotes. Mais la dot là, c'est seulement juste une dot comme ça, pas. Tu vois le genre de dot, quand tu dotes, c'est moi parce que tu veux juste enlever derrière ton toi que on t'a dicté, tu veux seulement enlever. Je suis allé d'abord le jour de la dot. Avant la dot, il commence à parler des voitures. Et que le blanc, il n'a pas les dos. C'est moi qui dis, je dis à mon père qu'il faut quoi. Mon père me disait là, il dit que non, laisse-moi te donner, le blanc te donne 2 millions pour. C'est moi-même qui ai arrangé même le prix de la dot là. C'est moi-même, c'est la nuit, j'ai acheté les choses comme. C'est moi-même qui suis allé acheter. Et j'ai donné les enveloppes, j'ai dit que bon, on m'a douté. Il a bu le vin de palme là. Après, j'ai dit que donne, j'avais arrangé mon temps, que même si on dépend même 4 bâtons là-bas. J'ai dit que rentre là-bas. Le jour là, à la fenêtre, vous voyez, c'est pas les gens qui guettent, tout ça, que la dot, on parle de ça jusqu'au matin. J'ai seulement fait ça par formule, pour ces formulaires. Oh. Juste pour faire, non. J'ai dit à mon père que non, mon père était fier. On a douté ma fille, tu vois un peu. Hé, hey, mon père moussait jusqu'à. Après, l'acheter la voiture. Pour laver mon image là-bas. Pour que ça soit pour ma personne, au début, il refusait. Oui, tu n'as pas vu un noir là-bas. Dans toute la France, là, parce qu'avant, comme il y avait beaucoup la marche des Sankaolo, donc à la télé, on montait. Oui, non, tu vois, Bamileke, où est le père Bamileke, le père Banks, bien conservateur, là. Il disait que non, vraiment. Quand on marie les blancs, on calme là-bas, on devient plus. Qui t'a dit ça? Moi, voici, non. Qui t'a menti que quand une femme épouse un blanc, elle disparaît, on la voit plus jamais, elle oublie sa famille. Et celui-là, c'est pas comme ça, c'est faux. Non, vraiment, tout veut. Quelqu'un, parce que Maria a trouvé quelqu'un qui vient m'épouser, donc je les appelle les bêtises. Parce que c'est la plus la rose casse de la famille. On avait là trouvé quelqu'un qui vient m'épouser, les bâtis, ils ont mangé sa chose là-bas. Après, je suis tombé là, ils se sont volés, que remboursé. Moi, je suis pas dedans. J'ai moi pour mon aventure. Donc, après, ils avaient la dette de quelqu'un qui était un père là, qui était allé me doter. Comme il est venu avec la Mercedes, ils ont vu la voiture, ils ont cru que moi, il va accepter. Ils ont mangé sa chose, moi, j'ai fui. Propre. Il dit que, hein, vous mangez, allez, le connaît où? Je suis tombé là, ils se sont volés. Donc, il fallait que je me rachète vite fait pour la dot là. Il fallait qu'on m'épouse. Donc, moi-même, j'ai arrangé comme c'était un blanc. J'ai arrangé, on a fait partie. Ok. J'achète dans la bouillie à mon père. Un autre jour, je reviens quand mon frère me dit que, oh, donne-moi la voiture pour que je te demande jamais rien dans ma vie. Moi, je ne voulais plus parler avec lui. J'ai dit que je ne veux même plus. Ouais, oh, je ne parle plus avec lui. C'est comment c'est forcé? Il me dit que, petite soeur, donne-moi la voiture. J'ai dit que si tu te donnes la voiture, on va signer les papiers au commissariat. On signe que le bon, même le bonjour, toi et moi. Il m'a dit, oui, donne-moi la voiture, même le bonjour, on ne va plus se dire. Non, il n'y a pas de problème, on ne va plus jamais se dire le bonjour. Il n'y a pas de problème, il y a avec témoin. Hein. On a écrit, on a signé, on a le commissariat, je lui ai remis la voiture. C'était la CF Ibiza que je conduisais avant. Après, il s'est entendu que ça a été abandonné sur la route de Manga Pongo, ou c'est où là-bas, oh. Qu'il portait seulement les femmes sur ça pour jouer celui que ça s'amène. Oui, la voiture là. Après, il m'a encore insulté que la voiture était d'abord une voiture. Écoutez le gars, hein. Il reste encore, c'est sa mère qui m'envoie sa nouvelle, puis je parle avec lui. C'est sa mère qui dit que oui, la voiture a trop de panne. Elle dit qu'une voiture est conduite s'il n'y a pas de panne. C'est quand ça arrive au pays qu'il y a la panne. Après, sa mère dit que oui, c'était d'abord même quelle qualité de voiture. Tout ça parce que son fils lui a dit que j'ai donné une fausse voiture. Il faut voir sa maman qui me dit que c'est moi que c'est intimé, toi, toi, il pas. C'est que c'était d'abord quelle qualité. Oui. Que c'était quelle qualité de voiture. Voilà les gens. Voilà. Après, il voulait que lui donne la qualité. Il avait donné une voiture à mon père. Après, encore, on tombe encore ennemi. Je commence à construire mon immeuble. Le gars sort que c'est lui qui va me saboter. Il commence à dire que oui, j'ai aidé que les passants, je ne l'ai jamais aidé. Oh, elle a aidé que les passants, moi, son frère, je souffre, je lui donnais 100 000 pour payer le silence tous les mois. Que ne passe même pas où il y a mon chantier, il te donne 100 000. Tous les mois, hein, que je ne peux même pas. Un jour, j'apprends qu'il va dire que non, il ne peut pas manger mon argent comme ça sans travailler aussi. Vraiment, il n'est pas lui malhonnête. Vraiment, il faut que je l'achète la moto. Il commence à aller au chantier parce que quand il y a quand même un homme, les gens auront peur que oui, son grand frère. J'ai bien dit à Tata Marc, hein, je ne veux pas le voir sur ma chose, oh, pardon. Elle m'a dit, c'est ton frère, vraiment. Comme il veut la moto là, achète la moto c'est 500 000. Achète lui ça. J'ai dit que hein, Tata, moi je ne veux pas. Franchement, moi je ne veux pas qu'il passe là où il y a mes. Ouais. Elle dit que non, c'est ton frère, donne-lui. C'est comme ça que demain qu'on lui donne 500 000. Il achète la moto. Comme il avait dit que, oh, pour aller là-bas, c'est loin. Le taxi coûte cher. J'ai donné. Quand il arrive au chantier, celui qui vend le bois du chantier, c'est lui. Celui qui fait tous les trafics du cas. Donc, tous les trafics avec les vendeurs de fer là, les vendeurs, c'est lui, hein. Ajoute le prix. C'est-à-dire, quand j'achète, c'est lui qui dit qu'on en manque, qui presse ce qui est au-dessus. Quand on dit que le ciment a fait que c'est lui, et on dit que le voisin avait conçu sur mon terrain, il a si que tu ne payes pas, casse ta maison. Un jour, j'appelle, on me dit qu'il est en train de partager la boisson au quartier jusqu'à. Oh, il a fait partager. Il dit qu'il partage la boisson. On dit que l'endroit que ton voisin avait traversé, il a pris l'argent sur ça. Quand j'ai appris, j'ai donc dit que le tout si. Le tout sinon, il n'est pas spécifié sur ma chose. Je suis quitté, je suis allé au pays. Quand j'allais au pays, quand j'étais seulement à la maison, à Bonabéry, on me dit qu'il est en train de sonner. J'ai dit qu'il n'entre pas sur ma maison ici. Il n'entre pas ici. Il s'est mal là-bas, il commence à me dire comment. S'il n'achète pas le camion, non. Si tu n'achètes pas le camion, je vais te faire du mal dans ce Cameroun. Tu aides seulement les gens comme moi, ma grande soeur qui m'avait aidé sur mon immeuble pour gérer les travaux, pour lui dire merci. Elle était enceinte, je lui ai dit que non, viens accoucher en France, viens accoucher à la maison à Lille. Pour te remercier, il faut que tu viennes accoucher. J'ai fait tout. J'ai dit, on vient accoucher en France. Comment? Tu m'aides à faire mes travaux de l'immeuble. Et puis, tu vas accoucher. Tu vas accoucher au pays. Non, viens accoucher ici. Je l'ai fait venir accoucher. Et tout. Elle a accouché là. C'était bien. Le jour qu'elle est rentrée au Cameroun, je suis allée l'accompagner. Au Cameroun, on a fait le voir bébé dans une salle là-bas à Bonamoussa. Elle dit, mon grand fils, c'est pas chez elle. Ouh, c'est les bafoussants qui mangent tout ce qu'elle a. Il a commencé à s'énerver. Elle ne m'a jamais donné de sa vie. Elle ne me déteste. Elle ne me donne rien. C'est que les bafoussants qui mangent tout ce qu'elle a. Voilà qu'elle a amené l'autre en France. C'est mon Dieu, une personne qui travaille à Sokada. Qui alors c'est moi. C'est ma grande sœur. C'est normal que je dis merci. Il a commencé à saluer mon nom. Mon père est venu.
Mon père lui a dit que tu veux quoi à ta soeur? C'est obligé. C'est obligé qu'elle te donne. Oh, elle a fait voyager les gens. C'est monté, c'est descendu. C'est comme ça qu'il avait fait le caddie. Parce que moi, j'ai dit que lui, c'est moi. C'est fini. On a mis le caddie, non? C'est quand on traverse, on parlait là. Il y a d'abord que mon argent à la banque a disparu. C'est toi, Inni. Ses frères sont. Oh, c'est toi. C'est toi qui avais détourné l'argent à la banque. Il dit que la moto qui est dehors, qui a acheté. C'est ta copine qui m'a donné. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. J'ai dit que c'est pas moi qui t'ai acheté la moto, c'est 500 000. Il dit que ce n'est pas moi. Il boit le vin, sa mère là, elle pleure. Oh, ne fais pas ça. Oh, ne fais pas ça. Il commence à traverser. Il parle, il boit le caddie. Mon père, il dit que bois alors. Il commence à boire. Il parle. Oh, si elle m'a déjà donné, si c'est son argent qui est sur la moto là, que j'entre en bas du camion. Elle ne m'a jamais rien donné et tout et tout. Mais mon père vivait encore. Hein. Mon père est décédé en 2013. Je vous parle des choses de 2011. Non, mais lui, ma joie est en 2009. En 2009, qu'elle est née. Bébé m'a joué en 2009. C'était en 2009. Bébé m'a joué en 2009. Et l'immeuble est fini en 2011. Donc, quand je suis rentré en 2009, quand bébé m'a joué née, je suis allé accompagner. Sa jalousie a commencé à mousser. Même comme ça. Il détestait, il parlait. Donc, c'est en 2011 que j'ai fait l'inauguration de mon immeuble. Mon propre frère. Il commence à raconter à mon père comment je lui ai rien donné. Il a bu ce qu'on boit, on traverse là. Il m'a épuisé, je n'ai jamais. Il traverse. Il était le premier à dire qu'il veut boire. Mon père dit que ne bois pas. Oh. Même elle fait ça, même elle dit que ne bois pas ce que tu veux boire là. Il dit que je veux boire, hein? Je veux boire, si je mens. Hein? Là aussi, là, si c'est son argent que j'entends pas du camion. Histoire vraie. Quand quelqu'un vous fait du bien, hein, ne venez jamais faire comme si vous voulez contourner. Je suis rentré en France, ça fait deux jours. Il est entré en bas du camion. Avec la moto là, ça a coupé. Il est handicapé. Oui. Quand on m'appelait, oh, en fait, mon téléphone commençait à sonner. Je dis que mais les gens du pays m'appellent pourquoi? On m'appelle Dico, c'est les gens. Je dis que dis donc, je viens de rentrer, ça fait tout commencer à m'appeler, pas moi l'argent. C'est comme ça que la tata chez qui on avait fait le dica, le rouge, le caddie là, qu'il faisait là. Puisqu'on avait dit qu'on parlait d'un endroit neutre. C'était là-bas. Là, on avait fait le dica, c'est dit qu'on traversait ce caddie. C'est lui-même qui a fait. On lui a rien demandé, c'est lui-même qui a fait. Et celui-là, il n'a pas deux jours. Il est entré en bas, avec la moto, en bas de la moto, du camion. On m'appelle, il a abonné ça, qu'on a plus le pied de quelqu'un, parce qu'on met sa couteau comme moi. Il avait qui va dépenser pour lui? Si ce n'est pas moi, sa petite soeur. Il avait qui? Personne. Qui a dépensé pour lui? C'est moi. Parce qu'il a qui? Qui va aider dans une famille? Chacun s'occupe de ses enfants. Est-ce que quelqu'un d'autre va visiter à moi à quoi? Quand on commence à m'appeler, il faut voir comment il priait Dieu pour moi. Oh, ma soeur, tout ce qui était fait, voilà Dieu qui m'a puni. Oh, c'est monté, c'est descendu. Après, il allait s'asseoir, dit que j'ai vendu son pied pour construire l'immeuble. Donc, je vous parlais un peu comment les gens accusent souvent les gens ici dehors. Quand quelqu'un travaille qui se bat, moi je me suis battu pour faire ce que j'ai pu faire. Quelqu'un va s'asseoir, dit qu'on a vendu son. Parce que vous accusez les gens, les paroles, cela, et m'accusez les gens de sorcellerie. C'est comme ça qu'il a commencé à raconter comment, oui, j'ai vendu son pied pour construire l'immeuble, parce qu'on ne sait même pas d'où l'argent vient pour que je construise l'immeuble. J'ai dit que si je voulais vendre, c'est qu'elle te vend même pas toi-même avec tes deux pieds. Donc, je vends seulement un pied. Oh, tu as vendu mon pied. Oh, ma chérie, il parlait comme ça, le Congo, ça aux gens. Il dit que vraiment. Voilà alors les gens qui, comment les gens sont. Quand ça les dépasse, ils veulent t'accuser. Et comment ça est que tu es entré dans le femme-là? Il y a le femme-là ici en Europe. Non, parlons peu, parlons vrai. Je suis en bain. Quand le blanc m'a dragué que le blanc, j'étais avec un blanc. Je lui ai dit qu'on va battre coco ensemble. Viens construire là-bas. Et c'est moi qui étais là qu'elle a choisi ça quand même. Parce que c'est quand ça finit avec le blanc, il ne réclame pas ce qu'il y a en Afrique. Tu peux vendre combien de tonnes de piment pour construire l'immeuble? Combien de clients vont monter sur toi? Puisque quand vous dites que c'est la pimenterie, bon, si c'est ça qui est la pimenterie, j'accepte, j'ai vendu le piment. J'ai vendu le piment au blanc, il est venu l'investir. Il a conçu au village, il a conçu partout. J'ai donc vendu le bon piment, non? C'est où on dit que le piment n'est pas ce piment? Mon piment alors était un piment. Oh, un piment en or. Parce que je vois pas combien de vendeuses de piment ont pu faire quoi? Elles vendent le piment aussi, non? Mais il fallait donc vendre combien de comptoirs de piment pour donc réaliser tout ça. Allez, arrêtez de parler des gens n'importe quoi et vous la bouclez quand vous n'avez rien dit. On est en Europe. Un homme me drague. Je vois qu'il a les moyens. On lui dit que va m'acheter ça, mais il dit que va m'investir. C'est dur à comprendre. Quand on me drague que oui, je vais t'acheter ça, mais je pouvais porter n'importe quelle qualité. Mais j'ai choisi que. On s'en va d'abord, tu me dis. Oui. Donc je pouvais choisir autre chose, mais j'ai choisi que viens investir en Afrique pour moi. Les gens ne voient pas par où tu commences, mais on voit déjà que c'est moi que tu as fait ci. Mais vous connaissez l'histoire que ça a commencé comment? Vous ne connaissez pas l'histoire des gens, vous avez ceci. Elle vend le piment en Europe. Elle fait ceci. Vous avez dit qu'elle vend seulement le pepper en bête. Mais il y a piment et piment, non? Si je ne prenais pas un Camerounais, un Africain que je suis sorti avec qui a gâché ma vie. Parce qu'avant d'être sur Facebook, une fille bien. Ce n'est pas un Camerounais qui a dit à mon mari qu'on sortait ensemble. C'est fini. Ce n'est pas un Camerounais, ce n'est pas un show. Que j'ai cru que quand tu es marié, parce que pour raconter, quand tu es marié en blanc, quand tu es marié en blanc, il ne faut pas sortir avec noir. C'est les conneries que les filles vous manquent souvent. J'ai porté aussi un show. J'ai mis derrière moi. C'est pas lui qui s'est levé un beau jour. Mon mari l'a pris dans sa société. Il allait balancer là-bas parce que lui et moi on avait un problème. Il a balancé, il a raconté comment je lui loue la maison à tel endroit. Il a dit comment c'est moi qui l'a mené. Et raconté tout. Le mariage est fini. J'ai vu le voilà, tu le vrai, le grand frère. Il n'a jamais souffert. Ma vie a commencé la dépression, tout ça, ça m'a envoyé sur Facebook. Quand vous me voyez de base, je suis une fille à conneries. Je suis une fille de bêtises qui crie, qui fait n'importe quoi. C'est parce que la vie, elle est ce qu'elle est. Chacun se retrouve ici sur Facebook avec une histoire. Dépression, plus blessé de guerre, tout ça, là, ça m'a envoyé ici.
Vous pensez derrière l'Africain, on gagne quoi? Ça veut dire que pas en Europe me chercher, arriver à tomber sur un pauvre Africain qui ne peut rien m'apporter. Vous faites quoi avec? J'ai gagné quoi? J'ai gagné quoi? Derrière ça. Quelqu'un que tu prépares, il mange, il va trahir à ton mari que vous sortez ensemble. Pourquoi? Racontez comment? Quand mon mari n'est pas là, il dort dans la maison. C'est faux. Il n'a jamais, je n'ai jamais été ce genre de bordel. Je n'ai jamais abusé à ce point qu'amener un homme dormi dans le lit conjugal. Je n'ai jamais fait ça. Mais il a dit ça au blanc. Il a dit ça au blanc propre. Moi, je loue un appartement. Racontez où je prends un appartement. J'ai loué un appartement pour lui. Que le Njomba, c'est moi qui ai pris pour lui. Que c'est moi, on va se voir pour couper. Qu'on va se voir là-bas pour couper. Mais il a dit indiqué au blanc. Parce que tous les jours, mon mari n'avait jamais travaillé. Moi, je ne connaissais pas combien coûte les prix les choses. Moi, je ramasse sur ma maison, je ne connais pas le prix. Je suis une ancienne riche. C'est que je sais que le monde, la vie, c'est qu'elle est. Je suis devenue pauvre ici. Sinon, je suis une ancienne pâté au Cameroun, elle n'est pas tournée. Parce qu'elle vient me mélanger et tout et tout. Quelqu'un vient dit que, oui, vous savez, la déposer sur tel endroit, c'est où elle ou pourquoi, et tout et tout. Je déconseille les filles qui traînent avec les noirs là. Je vous déconseille les choses, ça ne paye pas. J'ai perdu en étant avec un noir, je n'ai rien gagné. Rien, je déconseille l'infidélité à toute fille mariée aux boîtes, avoir le show. Vous déconseillez, c'est un mauvais calcul. Très mauvais calcul. Tu peux avoir un show qui est marié aussi comme toi. Comme ça. Pourquoi même? Pourquoi même? Pourquoi tromper? Pourquoi être infidèle? Une femme ne doit pas être infidèle. J'ai appris. Je suis une fille qui a connu beaucoup de choses. Oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et le blanc, quand ça finit, vous savez, les Africains, quand ça finit, ils restent encore dit que oui, comment va ta mère? Quand le blanc, c'est fini, tu ne demandes pas de nouvelles de sa mère. Il n'en a rien à foutre de toi.